Salut, salut mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hein, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler de ce fruit, de ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la papaye. Alors, vous allez trouver des solutions à tous vos problèmes, peu importe que ce soit des problèmes de peau, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de prostate, que ce soit des problèmes d'hépatite, que ce soit des problèmes de cancer, que ce soit des problèmes de cholestérol, que ce soit des problèmes de diabète, que ce soit des problèmes de peu importe, de boutons, d'acné, d'infection, de peu importe ce que vous avez. Avec ce fruit, vous allez trouver une solution à votre problème. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais vous parler de la papaye aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que c'est que la papaye? Alors, est-ce que vous connaissez l'expression « tout est bon dans le cochon » Oui, vous la connaissez certainement. Pour la papaye, on va dire que tout est magnifique, tout est miraculeux dans la papaye. Et quand je le dis, je n'exagère pas mes amours, je n'exagère pas du tout. Vous savez, ce fruit contient une enzyme qui s'appelle la papaïne, mais pas que. Ça contient aussi une autre enzyme qui s'appelle la chimiopapaïne. Et ces deux éléments, rien qu'à eux deux, transforment la papaye en un super fruit. Mais encore, ce n'est pas tout. La papaye est super riche en nutriments, en vitamines, donc la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C. Mais non, c'est pas fini. Elle est riche en carotène, en bêta-carotène, en vitamine B, en acide folique, en vitamine C, A et E et en flavoline, en pantothénique, en minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium. Tous ces éléments vont tout simplement vous permettre d'avoir un système immunitaire hyper protégé, avoir un système organique sain sur la défensive. Ça va vous permettre de lutter contre toutes sortes d'infections, que ce soit les infections des oreilles, que ce soit des infections à l'intérieur, c'est-à-dire l'abcès, le rhume, contre la grippe. Est-ce que la papaye est riche en fibres? Ça vous permettra de lutter contre le cholestérol. Les fibres contenues à l'intérieur vont tout simplement vous permettre d'éliminer les déchets, tout ce qui est excès de toxines, et ça va surtout vous protéger contre le cancer du côlon. Maintenant, ce qui va nous intéresser plus précisément dans cette petite précision avant de rentrer dans les détails. Si vous souffrez de troubles de la coagulation, cette recette n'est pas pour vous à cause de la papaïne contenue à l'intérieur. En appliquant la pulpe de papaye verte sur votre plaie, ça va vous permettre un nettoyage précis, non agressif pour les tissus, tout en prévenant les infections. Et ceci avec une parfaite tolérance. On peut aussi éliminer les verrues, les cors en appliquant simplement le latex frais sur la zone concernée. Donc faites bien attention. Vous aurez besoin ici d'une demi-papaye non mûre que vous allez râper ou même écraser, de 3 pincées de curcuma, je vais dire ici 3 cuillères à café de curcuma, du gel d'aloe vera à peu près 10 grammes et du lait de vache. Bien sûr, le lait de vache, vous allez l'utiliser à la fin de la recette. Sachez que le lait de vache a de nombreux bienfaits. Il est purifiant pour votre épiderme, mais aussi contient de l'acide lactique qui va lutter contre les cicatrices des boutons. Combinez toutes ces choses ensemble, appliquez sur la zone à traiter et laissez poser pendant une bonne petite heure. Après l'avoir nettoyé, après avoir bien rincé la peau, hein, d'accord, à l'eau tiède, utilisez un vaporisateur ou encore un coton pour vaporiser le lait frais sur la zone traité. Utilisez 2 fois par jour le matin et le soir. Ce faisant, vous allez voir que votre infection va être moins intense, votre zona, votre herpès, tout ça, ça va être moins intense et ça va disparaître. Il faudra compter 3 jours pour une disparition définitive. Pensez à manger aussi la papaye mûre. Vous allez voir même les graines de papaye. Je vais vous montrer comment vous devez consommer ça ici parce que la caroténoïde contenue à l'intérieur évitera tout simplement votre infection de récidiver et n'utilisez ni de savon ni de shampoing aux endroits infectés, d'accord, c'est ça qui vous rend très allergique. Limite, vous pouvez utiliser un gel neutre. Et comme promis, donc voilà mes amours, notre produit fini va ressembler à ceci. Donc vous pouvez simplement le boire comme ça, hein. Comme je vous ai dit, ça a un goût très piquant, très poivré. Et aussi un arrière-goût de papaye, hein. Le goût est assez fort, mais mes copines, mes soeurs, mes amis, si jamais, hein, dans ce verre, vous allez mettre la moitié, donc la moitié comme ça, à peu près. Et boire un verre matin à jeun et un verre le soir. Et maintenant, pour la conservation, bien sûr, quand c'est comme ça, vous pouvez le conserver aussi longtemps que vous le voulez au frigo, hein, à raison d'un verre matin, un verre soir. Et aussi, vous pouvez mettre ça au congélateur. Voilà. Donc, je vous remercie. Bisous, bisous.
comme promis, je vous fais voir le code. Voilà, ce code c'est simplement pour toi qui regardes cette vidéo. Donc tu as droit avec ça à 60 photos. Ou alors une coque personnalisable. Donc une coque, ben, tu peux mettre ta photo, celle de ton chéri, celle de tes enfants. Tout est gratuit avec ce code. Donc bien sûr, j'ai d'autres codes si jamais vous le voulez. Hein. Donc les 10 premiers commentaires, vous me mettez juste le nom et je... Ben, vous mettez juste en bas que vous voulez le code, donc je vous enverrai ça. Voilà, je ferai ça pendant à peu près un mois. Voilà, voilà. Bisous.